Dans une conférence pour la presse, journée vendredi, dans le lycée Pétion, deux élèves philo lycéens, John Wesley Gourdet et Jean-Gamens Pierre-Fils, annoncé élèves lycée Pétion à prendre béton lundi matin pour exiger autorités concernées prendre disposition pour faire aux jeunes professeurs pour travailler à Kio. Deux lycéens réclamaient tout de l'eau potable, cafétéria et bibliothèque pendant qu'ils dénoncé Jean lycée Pétion manqué joint d'encadrement. Explication John Wesley Gourdet et Jean-Gamens Pierre-Fils, dans micro Vladimir Maurice Ridoré et Colin Hildorest. La principale mobilisation, c'est pour nous capables de jeunes professeurs. Et ça nous-mêmes, nous besoin comme élèves, nous n'avons ni besoin de payer professeurs, ni besoin. Objectif français, jeunes professeurs, nous besoin de l'eau, nous besoin de laboratoire, nous besoin de cafétéria, bibliothèque, côté que pour nous capables vraiment en mesure pour nous préparer nous pour examiner ça qui prête pour arriver devant nous là. Dis-moi si Dieu veut. Si vous n'avez pas aucun message pour nous, lundi, bien bonheur, dans le matin, nous prêts pour nous prendre la rue, pour nous faire tout ça de faire, pour nous capables de jouer une revendication. Nous, tous les lycées, social bagaille dans le qui n'est pas un professeur. Et nous mettons en tête, nous, si nous devons un pays qui a pensé pour élèves, c'est nous-mêmes, nous avons supposé plus encadrer parce que c'est l'école de l'État, c'est l'élève de l'État. Depuis le mois de décembre, nous quittons l'école. Nous retournons pour 5 janvier, nous venons composer. Pour jusqu'à présent, nous avons jamais un professeur qui vous vient ensemble avec nous pour exposer un cours pour nous. Et très bientôt là, nous parlons dans la période de carnaval, nous avons supposé un professeur pour nous travailler. Et ensuite, tout le monde qui est ministre, qui est président du pays, était élève. Élève jeudi, professeur demain. Et puis, comme ça, tout, nous-mêmes, même jeunes de l'école, non, demain, si tu es 24 professeurs, nous sommes ministres, nous sommes président du pays. C'est le bagaille, m'a dit avec le ministre de l'Éducation nationale, s'il vous plaît, bah nous professeurs.